Salut tout le monde, moi c'est Nico. Et moi c'est Kochnik. Nous espérons que vous allez bien et si ça ne va pas, à bon courage et à bon rétablissement. Aujourd'hui, on se retrouve sur Lakeview Cabin Collection. Oui, parce que ici. Le collection. Le collection, c'est dans le titre du jeu. Ah. Sur Steam, c'est comme ça. Le jeu coûte directement, commencer par le prix. Hein. Il coûte une dizaine d'euros. Et c'est un jeu. J'hésite à dire horreur, même si c'est le cas. Parce qu'en fait, c'est. Ça reprend le thème des films des années 80-90. 70-80, je pense. 70-80, oui, excusez-moi. Et en fait, le jeu est stylé pixel. Comme on peut constater. Hop, on peut lancer. Et en fait, on contrôle un groupe de 4 personnages, voilà. Avec un petit effet comme les vieilles cassettes VHS. On va garder notre petit bonhomme. Et en fait, voilà, ici on peut voir un magnifique pendu. Hein. Bah voilà, et en fait, c'est l'Aurore Festival. Non, et le film qui passe au cinéma, c'est justement le pendu. Lakeview Cabin 3, 4 et 5. Le 4 et 5 ont été rajoutés il n'y a pas si longtemps que d'ici, et il y a un sixième qui sortira par la suite. Là, les WC. Et il y a également les WC, on peut aller faire un petit tour. Hein. Il n'y a pas de toilette. Ah non, il fallait aller côté homme. Voilà, on peut même aller là. Oh là, c'est sur le pot. On peut aller sur les femmes. Oui, mais bon. Et en bref, le but du jeu, c'est tout simplement de survivre. Parce que c'est. Ce jeu pose vraiment la question de. Oh. Attends. Voilà. Le jeu pose vraiment la question du. Que ferions-nous si on était à la place des personnages des films d'horreur des années 70-80? Et en fait, on va directement commencer avec. Lakeview Cabin 3. Hop. Que ferais-tu, toi? En théorie, je me cacherai dans un coin. Hein. Voilà, on a nos 4 personnages. Ah non! Moi, je suis psychopathe, hein, moi! Je me fais ami avec lui! Oui! Voilà, ça c'est le foutu rat. Ah, il y a un chat ou un rat, je sais pas quoi. Je crois que c'est un petit chien. Mais ça, déjà, on va. Pat. Voilà! Parce que ça va me casser les pieds, je le sens. Il fait plus ouf dedans. On peut, on peut réellement se mettre à poil. Hein. Ce qui n'a aucun intérêt, hein, je vous le dis tout de suite. Pour faire bronzette. Pour faire une baignade. Non, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça non plus. C'est ça. Ah, c'est à lancer, ok. Et en fait, on a absolument tout plein de possibilités. Hein. Ah. Il y a des mouches. En fait, ne sont pas vraiment propres. Hein. Et donc, on va directement commencer. Hop. Donc, lui, il va se cacher derrière un arbre. Là. Toi, pareil. Voilà. Lui, il est directement. Hop. C'est pas la bonne maison. Voilà, c'est là. Hop. Voilà, là. Pour récupérer ça. Hop. Directement aller là. Enfin. Oula, j'ai failli me faire avoir. Voilà. Là on peut lâcher. Là, on active directement, voilà. Et en fait, il n'y a pas vraiment de. C'est un mode sandbox en fait. C'est-à-dire on peut faire tout et n'importe quoi, mais bien entendu nous on va essayer de survivre. Hein. Et vu que forcément si je m'amusais à rester planté là, ça ne servirait un peu à rien de faire une vidéo, ben on va s'amuser et on va essayer de survivre en se déplaçant, en essayant de tuer le tueur. Hein. Tu tues tout le monde. Oui, on peut également tuer tout le monde effectivement. Non, tu peux tuer tout le monde sauf le tueur. Ouais, elle se fera mieux avec lui. Donc voilà, ça on laisse ça ici. Tu peux le noyer. Genre tu les pousses dans l'eau, il faut. Oh là. Il y a une croix de.
on va appeler ça une force c'est quoi, qui grosse qui est apparue. Non, c'est là que je vais aller, voilà. Et en fait, j'ai un petit plan. Je sais que le tueur viendra vers la gauche, en théorie. Donc on va... Oh ! Tu fous de l'essence partout. C'est ça ? Oui. Tu vas le brûler ? Monsieur, monsieur, le petit chien, viens avec ouf, moi. Ouf ! Tu vas pas le brûler, j'espère. Ouais, non, non, c'est... Ouais, ça ressemble à un petit chien, ouais. Il fait wif wif donc c'est un petit mais chien. Non c'est fait pas wif wif ça ce que t'entends c'est les corbeaux ou les oiseaux. Il va aller dans la cuisine. Ah non voilà ah, oui. Ça encore non ouais ouais, ouais il a fait wif wif ouais allez, allez c'est elle qui s'occupera de voilà elle écrasera le tueur. Voilà. Et nous, faut quelqu'un d'autre en plat. Lui fera l'affaire. Il va faire quoi? La tirer. On voit qu'il y a quelque chose ici. C'est peut-être. Non, non, c'est de. Ah! Voilà, les corbeaux sont arrivés donc. Mais tu en es pas vrai? Comme dans les films d'horreur, dès qu'il y a des corbeaux, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal qui les a pris. Donc, on va gentiment lui faire un petit coup de... Hache. Oh hey, t'as scalpé avant. Parfait. Bon bah vite. Vite, vite, il faut l'attirer. Voilà. Allez, le stress est à son comble. Ah bon, tu stresses toi hein. Hop là. Moi je suis en train d'admirer la course en voleur. Attention. En tueur et où. Attention, attention, il va venir, attention. Vas-y. Hop là. Oh merde, il est pas mort. Je serais plus à ça, le gars. Et on va. On ne sort plus. C'est normal. Il a récupéré l'âge. Ah, mais c'est qui là? Attends, si tu. Mais attends, quoi? Attends, elle va je rester à la vie. Le pousser dans l'eau. Oh punaise! Ok, il y avait un deuxième tueur. Oh. Bon ben. T'es toute seule là, tête rouquine. Donc on je l'appelle la tête rouquine, tu savais pas. Cours, cours, cours. Oh, il y a peut-être moi. La petite blonde est morte. Hein? Bon ben. Ils sont tous morts. Sauf la France. On est foutu là. Peut-être qu'elle. Attends, attends. Parce qu'en fait, il y en a un des deux, il est hyper rapide et l'autre. Et l'autre? C'est un psychopathe avec une hache. Ouais. Bon, on va essayer de le tuer. Oh merde. Oh, il est là. Merde. Et ben voilà, on est tous morts, hein, mais regarde. Franchement. Nous, nos amis, sommes morts. Ah, d'ailleurs, c'est drôle parce que la première fois que je suis mort pour tester le jeu, ben, le chien s'est fait tuer aussi et c'était marqué que nous, nos amis et notre chien étaient morts. Pauvre chien. Exactement. Donc là. Il n'y a pas une petite brune dans les filles. Voilà.
Hop là. Voilà. Donc là, on va refaire le même coup de tantôt. Ah, mais non, elle est brune déjà là. Mais attends, il n'y a qu'une fille en fait. Non, il y en a deux. Hein. La grosse, la brune. Ah, donc il y a une petite brune et une petite rousse. Mais il n'y a pas de petite blonde. Donc, elle, on va préparer. Elle va aller. Non, pas là. Récupérer d'abord une planche. Hop. Voilà, on va déjà réparer, voilà. Oh! Aïe! Voilà, comme on voit, on s'est légèrement pété une jambe, hein, donc on a une jambe en moins. Ah merde! Ah oui! J'avais pas vu. Ce qui fait qu'on est plus lent. Et donc, quand on a assez marché avec une jambe, elle est forte là. Donc elle, elle s'occupera de. De tenir le la caisse. Lui sera chargé de. Oula. Elle, ok, elle est là. Elle, elle va aller se cacher pas trop loin. Genre là, c'est parfait. Et lui. Ouais, bon, lui, il va directement jeter ça directement. Hein. Bon, là. Hop. Parce qu'en fait, on peut se faire tuer bêtement par le râteau. Hein. À tomber trop de fois, on peut mourir. Ça, ça permet de jeter les cadavres et autres, hein, éventuels. Parce qu'il y a plusieurs types d'ennemis, hein, comme on a pu constater dans la vidéo, enfin, dans le début de vidéo. Il y avait plusieurs types d'ennemis et il y en a d'autres. Encore, il y a fantômes, zombies, il y a de tout. Des fantômes! On veut des fantômes! Bonjour le chien. Bon, chien, il se bat tout seul. Tranquille. Il ne sait même pas ce qu'il attend. Oh. Oh, c'est un feu de course très bien. Ça. Oh, c'est parfait ça. Ouais, le mec n'est pas qui s'est dit avant qu'il arrive. Non, non, si, 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 mais c'est surtout ça. On l'allume après. Ah merde! Je flambe au secours! Oh merde! En vrai, c'est pas la mort la plus conne, mais dans le jeu, c'est la mort la plus conne. Ou... Eh ben merde. Oh, t'es captiné! Je suis mort. Mais t'es doué, franchement. Bon, ben c'est elle qui se rechargera. Ben, au moins, il aura pas sa. Il aura pas la hachette, hein. Est-ce que je préfère par hachette ou par bouillon, je me le demande, franchement. Bon, elle, elle me fout rien, donc. Ouais. Voilà. Je sais bien qu'il y avait un truc à faire avec ça. Qui a perdu sa jambe. Je peux tuer le chien, mais je vais pas le tuer, bien entendu. On est gentil, nous. Oh, c'est mignon. Voilà. C'est le pistolet en chien. On va acheter le... Non, je pense qu'on pourra s'en servir après. On va directement faire flamber les flaques du, de... De, voilà. D'essence. Hein. D'essence. Voilà, de essence. Hein. Histoire de te protéger. Enfin, j'espère. Oh non, le chien, il va pas se. Le chien! Reviens, il va se brûler, assure. Ah non, ça va, il est là, si. Mais. Ouais, bah, passe dans le feu et je. Non! Mais c'est méchant! C'est pas moi, hein. Ah non, tu te bats. Oh, oh non, il va. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Ben bravo. Il a te foutu en l'air. Ah. Tu te barres, le chien. Tu restes dehors. Voilà, c'est bien. Ah, il est mort. C'est triste. Oh oh. Non.
qu'il est là. Oui, il a cassé la porte, regarde. Ah, il est oui. dans, il est dedans. Il va faire mieux, on va plus rien voir. Oh merde. Quel bruit. Va faire un câlin où tu veux. J'essaye de le trouver. Très souvent, lui. Ah. Bon, pour moi, les générateurs fonctionnent et j'ai une belle vue. Oula. Le voilà maintenant. Donc, on va attendre gentiment. Allez, on peut y arriver. S'il n'y a pas de l'autre côté, ça va. On va essayer de... C'est quoi le truc? Oh, il est là. Ah, il est là. Ok, ma patte, vas-y. Merde. Non, non, non. Un peu bonhomme, qu'est-ce qu'il a? Ah ben non, il a la tronche arrachée. Allez, viens, viens, viens. La petite. Merde. Je me suis gouré de touche. Ah... Bon, c'est vrai qu'il n'a plus qu'une jambe. On est foutu. Là, on ne sait jamais. Hein. Plus d'artifice. Vers le sol. Allez, si je peux l'enflammer, ça serait bien. Par contre, j'ai aucune chance de fuir face à lui, donc il faut vraiment que ça soit lui qui sorte, sinon je saurais pas. Allez. Merde. Je saurais pas, Dieu. Ben voilà. Vous, votre chien et vos amis êtes morts. Dans ce cas-ci, ben là, on n'a pas trop le choix. Cette fois-ci, on va quitter ce chapitre-là et rester dans le cinéma avec le pendu. Parce que j'ai découvert en explorant un peu le jeu, ben en fait, voilà, les égouts, je les ai ouverts. Les égouts? Et oui, dans les égouts. Il y aura des rats. Donc en fait, il faut aller là. En vrai, tu crois qu'il y a un monstre dans les égouts? Non. Monsieur, ce serait bien. Malheureusement, non. Enfin, que tu me dises oui, ça serait intéressant. Bon, là, il faut que je prenne ça. Bah, c'est qui? C'est quoi qui sort de l'évier de toilette? Bah, c'est bien ce que tu penses. Je vais pas dire, c'est bien ce que tu penses. Du caca. Voilà. C'est quoi? C'était quoi ce... Non, je ne pensais rien, mais c'était dégueulasse, mais c'était quoi du... Ah oui, c'est... Du strong. J'ai tombé plusieurs fois. Ce sont des déjections. Oui. Bah. Ah. Ah, c'est écœurant. Ah, je suis... Lui, il a aucune munition. Ah. Oh. Lui, il a aucune munition dans le fusil à pompe. Enfin, dans la carabine. Ça, c'est tout à fait normal. Attends, elle va gentiment laisser sa torche comme ça. Hop. Bon, hop. Voilà, comme ça. Alors, attends, il y a quelque chose. Et on est d'accord, il y a quelque chose qui fait trembler. Oh merde. J'espère que c'était pas... Oups. C'est qui me dit? Oui, il me semble bien. C'est le gars, je viens de lui tirer une cartouche dans la tronche. Qu'est-ce qui se passe?
Oh merde, c'est de la fuse, ok. Oh mec, adieu. Oh mec. Ok, lui il est mort et lui il n'est pas encore mort, donc on va aller boire une boisson, voilà, hop, et va chercher un popcorn pour lui lancer à la tronche. Bonjour monsieur le tueur. Oh, bonjour. Ok, il faudrait quelque chose pour lui lancer à la tronche, mais quoi? Ouais. C'est quoi ça? C'est des tickets de cinéma. Oh, j'en veux plein, moi. Bonjour madame, viens avec moi toi. Tu l'as pas forcément en deux clins d'œil. Oui, là. Sa tête elle dépasse du lit. Oh, désolé. C'est pas une balle magique, hein. Ah, mais il est là. Ok. Peur, l'autre il est sur la peau. Salut. Tu veux pas une madame? Non. Mais tu veux pas. Tu veux pas. Oui, je veux. Mais tu auras la rotée, je suis là. Tu dois revenir. Ok, allez. Pousse, popo. Vas-y, tue. Allez, vas-y, vas-y. Oh, t'as plus de tête. Ah, bah, je suis mort. Ah, oh, bah, maintenant, elles sont magnifiques, les trois. Où est vos amis, Edmond? Bah, voilà. C'était un carnage total. Ouais. J'ai complètement foiré ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Donc, les amis. On va déjà se laisser là, hein, sur cette magnifique, sur ce magnifique massacre. Un massacre est magnifique d'après toi. Bah oui, quand même, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça dépend quel massacre. Quand c'est nous qui massacrons, c'est magnifique toujours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À laisser un commentaire. À vous abonner si c'est pas déjà fait. D'ici là, portez-vous bien. Et on vous dit ciao ciao. À très bientôt aussi. Oui, ciao. Gros bisous, moi.